À toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement un hack, une triche, tout simplement une triche sur le jeu Quiz Logo Jeu. Alors, on va se retrouver tout de suite sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, comme vous allez pouvoir le constater, la triche va être très simple. C'est pour avoir le plus d'indications possible, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Donc, quand on va cliquer dessus, sur la petite ampoule, ça va nous dire « Weekend ». Événements spéciaux, revenir plus tard. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les jours, on a 50 indices. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement comment pouvoir terminer tous les niveaux. Donc, très facilement. Alors, j'en ai terminé que 11. Mais vous pouvez tout terminer si vous le souhaitez. Donc, tout simplement, vous allez devoir... D'abord, pour résoudre les énigmes, vous allez cliquer sur « Indication » directement quand vous avez, quand vous êtes rendu sur une icône. Vous allez cliquer sur indication et vous pouvez cliquer sur résoudre. Là, vous avez résolu le problème. Comme vous pouvez le constater en haut à droite, les indications baissent. Donc, c'est-à-dire qu'on les utilise. Donc là, ça va. On est à 545. Vous voyez, il y a plein de sortes. Là, on est à 542. Donc, tout simplement, il va falloir aller dans vos paramètres. Dans vos paramètres d'heure et de date, vous allez cliquer sur définir la date et vous allez avancer en fait d'un jour. Donc hop, vous faites comme vous voulez. Et une fois que vous avez bien avancé, donc hop, si vous voulez, vous pouvez avancer d'un an, mais ça reviendrait comme un jour. Et vous faites tout simplement retour pour revenir sur votre jeu. Et ensuite, vous allez avoir 50 indices en plus. Donc comme vous avez compris, vous allez faire ça pendant à peu près 2 à 3 minutes, et vous allez avoir énormément d'indices. Donc vous allez pouvoir tout résoudre extrêmement facilement. Faire croire à vos amis que vous êtes vraiment fort à ce jeu. Donc c'est assez simple. Enfin, c'est d'ailleurs très simple. Et je trouve que c'est une très bonne idée pour toutes sortes de jeux, par exemple comme les jeux Evolution que je présenterai bientôt. Le but c'est de... On a des animaux, par exemple Goat Evolution. Si on est des chèvres. Et tout simplement, on a plein de chèvres. On doit les accoupler pour faire des chèvres qui font des cacas. Les cacas, ça nous donne des pièces. Et par rapport au temps qui tourne, ben vous allez avoir plein de cacas, donc plein de pièces. Donc si vous avancez le temps, que vous faites pareil que moi, vous allez voir que ça marche aussi dans toutes les sortes d'évolutions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ou à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et surtout, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.